Dernièrement, je me suis inscrit sur Ask. Bon, c'est cool. Ask, ça a apporté différentes choses. Oui. Maintenant, c'est plus facile à intimider. C'est plus facile de se faire intimider. Puis, c'est plus facile de dire à quelqu'un, mettons, qui me tape ses nerfs, parce qu'il sait pas que c'est nous qui le excusez ma maison, j'étais juste en train de passer au feu, c'est pas si grave que ça, hein? C'est juste une maison, t'sais. Bon, c'est quoi, je disais déjà? Ouais. Bon. Mais ces personnes-là, ils ont un besoin intérieur d'exprimer, là, faut qu'ils... Qu'il y ait des fans, dis de ça, les fans. Y'a rien de pire. Moi, personnellement, j'ai rien qu'un fan, pis c'est bien en masse. J'ai remarqué un deuxième type de personnes. C'est un peu des pédophiles. Ouais. C'est un peu des pédophiles. Sur l'internet. Anonymement. Ces personnes-là, ils vont aller commenter des statuts. Sauf que ça va toujours être des questions un peu. On va genre. Est-ce que t'es-tu vierge? Je me crosse sur toi. Ça m'a fait plaisir. On va y aller plus. Ça va être plus subtil. Combien d'hommes avez-vous mis enceinte? Oui. Combien d'hommes? Dans le fond, les haters, c'est des personnes qui se sentent pas bien dans leur corps, qui se sentent obligées de faire du mal aux autres pour, je sais pas, se remonter, hein, sur le bas, ben oui, ils se remontent. Les haters, ils vont spotter ton défaut, puis ils vont te le faire savoir. Tu vas le savoir après que t'as une décroche, là. Je sais pas ça parce que j'ai une décroche, là. Olivier, t'es laid. T'as une décroche puis tu le sais. Essaye pas de t'en sauver. On le sait tout. Hein? Fais ça comme le son. J'aimerais ça aussi noter qu'on peut pas déliker les réponses qu'on a likées. Ça m'enrage. Je peux pas savoir. Si toi aussi t'as remarqué tous les beaux sujets que je t'ai parlé aujourd'hui, tu peux liker mon vidéo, il est très aimable. Il aime se faire aimer. Tu peux aussi décider de partager cette vidéo et de faire part de mes expériences avec Ask, avec tous tes amis, et pour un peu de rigolade dans une soirée un peu passée de télé. Et tu peux faire ça. Un petit effet spécial à petit budget, comme ça, là, ici, comme ça. Oh, et la main.